My sprinkler. Les agile tours, les premiers agile tours, c'était peut-être ça, là, 200-300 personnes. Oui, ouais. Avec des, sur Sherbrooke, l'UQAM sur Sherbrooke. À l'UQAM sur Sherbrooke. Puis là, tu sais, cette année, c'est 1700 personnes. Puis là, ça plaît. Ben, un peu, 1700, mais vendu, sold out, quasiment quoi, 2 mois avant l'événement. Ouais, ouais. C'est à la mi-octobre. C'est la folie. C'est souvent ça à l'automne, là, ça explose. Là, on dirait que les gens, ils arrivent de vacances, puis là, ils s'en vont tout de suite acheter leur billet. Puis là, déjà, la liste d'attente, elle se remplit très vite. Peut-être même dépasser la centaine déjà aujourd'hui. Ah oui, déjà. Mais tu sais, des 100 personnes, 200 personnes, c'est la liste d'attente d'Agile Tour. Ça fait juste dire, tu sais, ça, c'est les gens qui ont pris la peine d'aller se mettre sur la liste d'attente. Mm-hmm. Versus les gens qui ont juste abandonné. Puis après ça, tu sais, t'as tous les gens qui essayent de trouver des billets, puis de toute manière. Ouais, que c'est là qu'on commence, nous, à recevoir des courriels. Hey, Eric, t'as sûrement des contacts. J'ai des contacts, mais Martin, il est zéro négociable. Zéro. On se rappelle que c'est l'espèce de incorruptible. Là. C'est ça le tag qu'il a pris. Sauf la Porsche à l'entrée. Au début, je m'en rappelle, j'ai souvent eu à être confronté à ce genre de choses-là. Ouais. Martin, on se connaît. Moi, le premier. T'as-tu un bien pour moi? Non. Ouais. Ou même des compagnies, des partenaires. Tu sais, je suis partenaire, puis comment ça que j'ai pas des billets de plus? J'en ai besoin de billets de plus? Non. J'en ai pas. Il y en a plus. Il y a un nombre maximum de personnes qui rentrent dans l'événement, puis c'est pour ça qu'on appelle ça sold out. C'est le moment du scoop, là. Tant. Allez-vous ouvrir des nouveaux billets? Oh! Ben... peut-être. Oh! Peut-être. Il reste flou, là. En fait, c'est ça qui est la beauté de la Gilles Meilleur, c'est que t'sais, de plus en plus, l'administration s'est détachée de l'organisation des événements. Oui. Donc Agile Tour, t'sais, aujourd'hui, puis ça, on est fiers de le dire, c'est organisé entièrement par une team de bénévoles. OK? T'sais, on parle de... Ça, c'est important de le dire, de le redire. Ouais, hein, ouais. Avant de chialer ou faire quoi que ce soit par rapport à l'Agile Tour ou autre événement, ou même ton rôle comme président... C'est tout bénévole. Ils ont tous des jobs à temps plein. Je sais que Solène, qui est l'organisatrice en chef de l'Agile Tour, elle est Scrum Master, temps plein, Desjardins, pas facile. Exactement. Puis, respect. Fait que petit message aux participants, quand vous croisez un bénévole, dites-lui donc merci, puis serrez-lui la main, une petite tape dans le dos, ça peut faire du bien. Ouais. Merci de le rappeler. Puis, tu sais, c'est ça, c'est quand même pas petit. Là. C'est un événement de cette envergure-là au Palais des Congrès, 1700 personnes. C'est des bouches à nourrir, c'est du contenu à fournir, c'est des sourires à générer. Donc, Attends un peu, t'as-tu des sourires à générer? C'est beau, hein? C'est dommage beau, ça. Ça devient le titre de l'épisode. Des sourires à générer. Agile Montréal. Agile Montréal génère des sourires. On change ton titre maintenant, t'es générateur de sourires. C'est vachement plus cool. J'aime mieux. Ça, c'est la section future d'Agile Montréal. On m'avait déjà baptisé VP Plaisir dans une des organisations. Je ne veux pas savoir ça. Ça peut être mal interprété, ça. Les RH peuvent s'en mêler dans du là, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire, quand même une trentaine de bénévoles juste pour organiser cet événement-là. Fourette. Puis pendant longtemps. Là, ça, on parle de l'organisation, on ne parle pas de la journée. On ne parle pas des bénévoles du jour J. Oui, parce que là, on en embauche en au moins une quarantaine de plus. Embauchés bénévolement. Là, embauchés à 0$, ouais, c'est ça. Quand j'étais là, on était quoi, 5-6 pour organiser l'Agile Tour? C'était tout petit à ce moment-là. Là. Ben, en fait, quand on a commencé, c'était l'administration de l'Agile Montréal qui l'organisait carrément au complet. Ouais. Tu sais, fait qu'on est passé d'un modèle où c'était l'administration d'Agile Montréal qui organisait l'Agile Tour à maintenant, on a entièrement délégué ça à une team de bénévoles engagés. Vraiment, ils sont très, très, très motivés. Puis, tu sais, c'est un appel à la communauté des gens qui font comme « Ah oui, je veux participer à ce projet-là ». Ils le font de A à Z, puis c'est pas un petit projet. C'est aussi gros qu'organiser un mariage. Je sais pas s'il y en a qui ont vécu ces projets de mariage-là. Ouais. J'organise un mariage, un divorce, j'ai fait la totale. Ouais, ben voilà. Fait qu'on sait qu'est-ce que ça représente comme travail. Ma fille qui part aller. Puis l'organisation du divorce. C'est un party. Hein, c'est ça, ça nous tient quand même occupé les soirs, les fins de semaine. C'est du temps qu'on consacre à ça. Puis ça dure longtemps. Fait que tu sais, évidemment, c'est des bénévoles. Puis on comprend qu'il y en a que des fois, ils peuvent avoir un événement dans leur vie. Il faut qu'ils se retirent de ça. Ça arrive. Ça arrive.
mais on veut quand même une certaine stabilité dans cette organisation-là. Fait que il y en a qui ont un engagement plus fort que d'autres, mais tu sais, ça arrive des fois qu'il y a des gens qui doivent partir en cours de route. Ça, c'est correct. C'est normal. C'est normal, c'est normal. La question qui tue. Tintintin. Ça, c'est des choses que je fais juste quand Mathieu est là. Quand Mathieu n'est pas là, c'est une entrevue beaucoup plus sobre, beaucoup plus. C'est... Là, quand il est là, on a du fun. Mais en plus, il peut faire des sound effects par-dessus. Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Que c'est plus fun quand t'es là. C'est plus fun. La question qui tue. L'organisation de l'AGETO, est-ce que c'est fait agilement? Oh, c'est une excellente question. Je suis content que tu la poses. On dirait quasiment qu'elle s'est arrangée. C'est une tactique de délai, ça. Si je dis des mots qui n'ont pas d'apport pendant 3 minutes, je ne peux plus y penser. J'ai donné des formations pendant longtemps, donc c'est des bons trucs pour préparer une bonne réponse. Puis la suite de la technique, c'est reformuler la question. Je suis content que tu la poses, donc ce que je comprends, c'est que tu aimerais savoir que... D'abord, tu ne dises pas dans le fond. Non, la réponse, c'est un oui catégorique. Donc, un oui catégorique. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. OK. Parce qu'au début, il y avait un lead qui prenait beaucoup de load sur ses épaules. Qui est genre le PO. Qui était genre le PO, mais ouais. Que, qui prenait beaucoup de balles aussi. Que quand les gens ne faisaient pas la job, c'est lui qui la faisait. Il y avait comme ce déséquilibre-là dans le partage du travail, okay. De par le fait que c'était des bénévoles aussi. Ouais. Donc, ça a commencé avec ce modèle-là. Puis tranquillement, on l'a raffiné, puis on l'a amélioré au fil des années. Puis on l'a scale. On a essayé de s'inspirer justement d'agilité. On n'a jamais voulu y aller dans du command and control. On n'a jamais voulu avec toi, tu vas faire ça. Ouais, on n'a jamais été dans le directif. Vous ne vouliez pas plein de choses, mais vous vouliez quoi à la place? On voulait un peu plus de « tu fais ce que tu as envie de faire okay. », puis on rend visible le travail. À la base, ça, c'était là quand même jour 1. Là, ça, c'était pas mal de facto, mais le travail qui n'était pas le fun, qu'il faut faire pareil. Il faut quand même le faire à la fin de la journée. Ouais. C'était plus là que ça faisait mal, puis aussi le fait qu'il y avait beaucoup de travail pour pas beaucoup de personnes. Ouais. Fait que là, on a commencé à scaler, à faire des sous-équipes, à faire des kick-offs avec « OK, dans quelle équipe tu veux être? » Chaque équipe avec un product owner. Mais il n'y a pas de Scrum Master. Fait que le PO fait un peu de Scrum Master. Ouais. Ça t'es brûlé sur l'autel de scrum.org live. Là. On s'en fout dessus. D'abord, on lit de la marchandise. Ça marche-tu? Ouais, ça fonctionne. Ah, c'est malade. Mais ça a lieu. En tout cas, l'année passée, c'était merveilleux. Ouais. Hein, c'est, on avait tout. Là. Nous on a un kiosque. Puis des petits détails que... Ouais. Quand on n'a pas ce petit détail-là, mais on veut pas dire qu'on panique, là, mais c'est pas facile. On a une partenaire qui panique. On a une journée. On n'a pas de nom. Mais tu sais, on a une journée pour faire notre show. Une journée. Fait que s'il manque une extension, il manque une prise de courant. La première fois qu'on était exposant pour l'Agilto, c'était à l'UQAM. C'était dans une espèce de coin, puis il n'y avait pas de prise de courant nulle part. Fait que là, par contre, ça a été corrigé. Mais l'année passée, là, tac, 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 là, comme une horloge. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu voir, je ne me souviens pas qui, il est venu voir, puis il dit qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment on peut t'aider? Puis j'ai dit, tout marche. J'ai rien à dire. J'espère que ça va être la même chose cette année, parce que l'année passée, c'était, à mes yeux, la perfection pour les exposants. Ben, on a même scalé une coche de plus avec la notion de product owner, des product owners. Okay. Donc, t'as des différentes équipes avec des bénévoles que ça peut être la première fois ou la deuxième fois qu'ils participent à l'organisation. Un product owner qui a quand même vécu une expérience, au moins une expérience dans le passé. T'sais, c'est un peu les prérequis pour devenir product owner. Il faut que tu aies au moins vécu un Agile Tour pour devenir product owner. Puis, tu as la personne qui gère ou qui accompagne les product owners, qui est Solène, qui chapeaute l'événement au complet. Mais elle n'est pas dans le détail de l'exécution. Mm-hmm. Elle est là pour accompagner les product owners qui, eux, sont avec leurs équipes. Ouais. Donc, on l'a vraiment scalé comme ça. Il faudrait que je trouve un spot pour l'inviter... au podcast avant l'Agilto quelque part. À moins qu'elle vienne pour faire un post-mortem de l'Agilto. Ou qu'on y trouve un trou par hasard pendant la journée quelque part, si jamais ça pouvait arriver. Journée. Il y a des choses des fois qui arrivent. Juste qu'en même temps, c'est oversold out. Ouais. Promouvoir l'événement, c'est irrelevant. Donc c'est quoi? On ferait un podcast pour que les gens se sentent bien d'avoir acheté un billet? Je sais pas. Ben, le problème aujourd'hui, puis c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit peut-être à ta question, tu sais, est-ce qu'il va y avoir d'autres billets qui vont ouvrir? Parce que le problème, c'est qu'on plafonne. Puis l'espace qu'on a au Palais des Congrès,
c'est quand même le palais des congrès de Montréal. Là. C'est pas la salle chez Roger. Là. Non, c'est ça. C'est une méga grosse salle. Plus grand que palais. Ça, c'est la Gilopé. Parce que plus grand que palais, t'as le Centre Bell puis t'as le Stade Olympique. Hey man, la journée où t'as un gel tour au Centre Bell, moi, je pense combustion spontanée. Non, Stade Olympique, c'est bien trop cool. Come on. Bon, mais mode un peu Woodstock. Ça non, serait pas le Stade Olympique. Moi, je veux des toilettes assez pour tout le monde. Si on... c'est une thématique Expo de Montréal, ça capotait. C'est malade. Ouais, mais tout ça pour dire que là, on est en train de grossir à l'intérieur du palais. Il faut s'y prendre très d'avance avec le palais parce que le palais, c'est convoité longtemps d'avance. Puis... t'sais, juste de trouver l'espace sur un plancher puis d'essayer de configurer ça pour, mettons, grossir à 1800-2000, c'est difficile. Puis on a frappé aussi notre mur quand on a visé les 1500. Là, on a frappé un mur solide parce que grossir la quantité de personnes vient avec son lot de défis. Là. Un exemple, juste le trafic des gens, mettons, dans un escalier roulant, là, à l'heure de pause pour aller à la salle de bain ou... Ou le line-up des sandwichs, ou l'accueil le matin, ou même, comment je pourrais dire ça, au niveau installation, audiovisuel, il y a des prix qui augmentent aussi proportionnellement à l'ambition qu'on veut. Change de bracket à un moment donné, j'imagine. Change de bracket, fait qu'il y a des surprises par rapport à ça. Fait que c'est pour ça qu'on a appris ça de notre leçon à ce moment-là, puis que là, cette année, on a changé de place au palais, mais on visait le même nombre de participants. C'est pas le même endroit que l'année passée? C'est pas le même endroit. Puis je pense qu'avec l'espace qu'on avait, on aurait pu grossir, on aurait pu ouvrir plus de billets, puis c'est peut-être encore possible. J'ai entendu peut-être tantôt. Mais ouais, exact. Sauf que. On a des témoins. Sauf que ce qu'on a pu observer dans le programme, c'est qu'il offre plus de contenu cette année. Puis il va y avoir aussi beaucoup plus de choses le fun à faire pendant la journée qui demandent aussi de l'espace. Mais ça. Je vous laisse la surprise. Venez voir. Puis... On a eu un mini scoop, le gros scoop, il n'y a pas. On va pouvoir sauter dans une piscine à balle. La question qui tue, c'est à mon tour. Oui, ta-ta-ta. Est-ce que vous deux, vous avez vos billets pour l'agile tour? Oui. Oui. OK. Moi, j'achète un billet de la minute que ça devient disponible. au pire, je le donne à un client. Ou comme l'année passée, on a fait un petit concours. Les gens se prennent une photo avec l'aide mémoire de l'Agile Partnership. Qui est marqué avec le tagline « J'aime mon aide-mémoire ». Là, tous les gens qui sont pris en photo, on les a mis leur nom dans un sac et on leur a fait tirer deux billets. De plus en plus, moi, j'observe des gens qui achètent plusieurs billets le jour quand ça se met en vente parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont en avoir de besoin et qu'ils ne savent pas encore. En fait, les scalpers. C'est ça, j'en ai une scène pour scalper. Ouais. Se faire des amis, c'est peut-être pas du scalping, mais ça vaut cher. Ça rentre dans cette catégorie-là. Ouais. Un ami qui vaut cher. Ouais. Puis là, tu parlais que c'est aux alentours de 1700 personnes environ cette année, puis on verra s'il y en a plus. Par rapport aux autres Agile Tour mondialement, on se classe sous Montréal. Oh, ça fait longtemps qu'on clenche tout le monde. C'est ce qu'on disait au premier podcast. Ouais, ça se compare même pas aux autres agiles. Parce que c'est plus lourd que Agile World au Vietnam. Bien sûr, absolument. pour ceux qui ont la référence. C'est facile à battre. On était 12, je pense. C'était juste des conférenciers. Ouais. Donc, c'est le plus gros au monde. Ben, c'est parce que les événements ont tendance à scaler à un certain moment donné autour de 500-600 gros max. OK? Ça, c'est partout à travers le monde, peu importe le type d'événement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu grossis plus que ça, tu tombes dans une autre catégorie d'événements qui s'appelle des congrès. Où tu commences à regarder des événements, sur plusieurs journées. Tu sais, des choses qui vont s'étaler dans le temps, puis que là, c'est vraiment, vraiment plus de personnes. Je me sens mal à l'aise, agile, un congrès agile. Le congrès agile. Ben, en fait, c'est quasiment ça déjà fait le ça. CAG, congrès agile. On se le dit pas, mais c'est quasiment déjà. Mais ça fait réunion de comptables agréés. Tu sais pas? Ben, y a des gens j'ai rien contre les comptables. J'adore mon comptable. Margot, merci beaucoup pour ton aide. D'ailleurs, ça n'existe plus, le comptable agréé. Mais voilà, à quel point que je connais ça. Mais il y a beaucoup de gens qui s'ennuient de l'époque où on était moins nombreux à l'Agile Open. Ouais. Ben, c'est sûr que ça Agile Open est là pour ça. Agile Open est là pour ça. Puis, tu sais, ça a commencé les week-ends, les Agile Tours. Oui, c'était vraiment les vrais passionnés, là, les vrais agilistes, là, ceux qui consacraient leur journée de week-end avec leur famille, puis ça, puis disaient, moi, je m'en vais au Agile Tour. Chérie, je suis pas là samedi, j'ai un congrès. C'est ma journée par année. Oublie ça, là, c'est mon samedi. Ouais.
Ah ouais. Ben oui, j'avais oublié ça le samedi. Fait que c'est sûr que ça amène une diversité du public. Là, au début, c'était les hardcore agilistes. Maintenant, il peut y avoir des gens qui sont très débutants dans l'agilité. Il y a beaucoup de curieux. Il y a beaucoup de gens qui c'est quoi cette affaire-là. Ouais. Il y a des gens qui vont parce que l'employeur a acheté 20 billets, puis ils ont fait tirer le billet, puis ça donne que c'est Bob qui a gagné le billet. C'est le même Bob que dans la rencontre avec Joseph, right? Oui. OK. Oui. Pour ceux qui suivent le podcast, un inside... C'est moi, je te comprenais pas. Je vais comprendre. C'est un personnage récurrent, Bob. Il revient, là. Ouais. Ben, c'est bien. Oui, ouais, c'est bien. Bob, il est bien. Ben, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne chose... qu'est-ce que je dis? C'est une bonne chose que... La variété de public, les curieux, les plus experts. Oui, c'est ça. La taille de l'événement. C'est que ça l'amène même des nouvelles industries. C'est ça que je veux dire. Donc, ça injecte de nouvelles idées aussi. Parce que tu avais les passionnés. Après ça, tu avais le domaine des TI. Puis là, aujourd'hui, tu as toujours des nouveaux qui sont introduits à l'agilité. Mm. Mais il y en a que c'est carrément dans leur valeur d'entreprise. Puis c'est une valeur, l'agilité, qui n'est pas réservée à un domaine d'application précis. Donc là, aujourd'hui, on voit des nouvelles vagues d'agilistes qui proviennent de d'autres industries qui s'inspirent de ces mouvements-là, qui sont mises en place par les TI. Ouais. Donc, ouais, exactement, les RH. Même la construction, t'en as de toutes les sortes. Là, même des compagnies publiques, les organisations comme la Ville de Montréal, tout ça, ça s'intéresse de plus en plus. La politique. Ouais. on va y arriver, la politique.